Prise de mesure. Mesurez la circonférence de la main à l'aide du mètre ruban Ixos. Chauffez l'attelle dans un four Ixos pendant environ 5 minutes ou jusqu'à ce que l'attelle puisse être travaillée. L'attelle ne doit pas être trop chaude, il faut pouvoir la manier confortablement. S'assurer que la peau soit entièrement sèche avant application. Alignez l'attelle avec la pomme afin que la courbe suive le pli du thénard. Enveloppez l'attelle autour de la main. Fixez les deux premiers straps pour maintenir le poignet. Deux autres pour maintenir les doigts tout en thermoformant l'attelle. Attelles de grande taille sont livrées avec des attaches un peu plus longues. Moulez l'attelle jusqu'à l'obtention de la position souhaitée. Repositionnez les straps si nécessaire. L'attelle ne doit pas être trop serrée. Cela pourrait appliquer une force mécanique excessive ou provoquer des cisaillements de la peau. Le poignet doit être en hyperextension entre 70 et 90 degrés. L'articulation MCT à 90 degrés et enfin les phalanges doivent être droites. Vous pouvez réaliser l'opération de thermoformage à plusieurs reprises avec la même attelle.